Tôt chaque matin, les portes de cette ambassade de France s'ouvrent pour un petit chien noir âgé de 15 ans. C'est ainsi que débute la journée de Négus et celle de son maître, l'ambassadeur au Conseil de l'Europe à Strasbourg, Jean Cazeneuve. Une fois sa promenade hygiénique terminée, avec la patience et la dignité qui sied à un vieux chien, Négus installe ses quartiers devant la grande glace vitrée du salon de réception. Ce n'est pas un hasard, la glace dissimule une porte qui donne accès au bureau de l'ambassade. Et Négus attend, c'est un rite, le gâteau ou le croissant que ne manque jamais de lui offrir en catimini la secrétaire de l'ambassadeur. Un moment que nous avons mis à profit pour poser quelques questions au spécialiste de l'audiovisuel qu'est Jean Cazeneuve, des questions qui étaient également adressées à l'ancien premier président directeur général de TF1. Monsieur l'ambassadeur, vous avez donné naissance avec Jean-Louis Guillot, alors directeur général de TF1, à notre émission 30 millions d'amis. Qu'est-ce qui vous a incité à prendre cette décision? Deux raisons. La première, c'est qu'en matière de télévision, il faut toujours rechercher la nouveauté. Et c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait encore à la télévision française, sous cette forme, en tout cas, continue. Et la deuxième, c'est qu'il y avait certainement, je le pensais du moins, et les faits l'ont confirmé, une demande de la part d'une grande partie du public. Donc il y avait une lacune à combler, et en même temps, c'était une innovation. Deux bonnes raisons pour que cette émission, le projet de cette émission, m'ait séduit tout de suite. Alors que, sans s'inquiéter de l'impact télévisuel de son apparition à l'écran, Négus partait avec sa maîtresse faire quelques courses dans le vieux Strasbourg, nous avons demandé à Jean Cazeneuve s'il n'avait pas craint, en président avec Jean-Louis Guillot au destiné de 30 millions d'amis, d'inciter certaines personnes à adopter de manière irresponsable un animal de compagnie. Non seulement je ne l'ai pas craint, mais j'ai bien pensé que cette émission, précisément parce qu'elle était différente de tout ce qu'on avait fait sur les animaux jusqu'alors, allait se préoccuper de ce problème. Et d'ailleurs, je crois que c'est bien le cas. Car la télévision prend souvent des responsabilités sans le savoir. On pourrait citer beaucoup d'autres exemples. Lorsqu'on montre aux jeunes des vedettes qui ont eu un succès rapide en quelques mois, qui ont l'argent, la gloire et tout à la fois, on oublie de leur dire, on n'a pas l'occasion de leur dire que c'est tout de même quelque chose de très difficile, qu'il faut se soumettre à toutes sortes d'épreuves et prendre certains risques. Donc on voit toujours le beau côté des choses. Pour les animaux, c'est identique. C'est-à-dire que les gens croient qu'il suffit d'avoir un animal. Il n'y a qu'à prendre un animal et puis on voit que, comme tous les autres qui paraissent sur l'écran, on va être très heureux avec cet animal. Et cela suppose qu'on s'occupe de lui, qu'on en prend soin, qu'on supporte toutes sortes de contraintes. Lorsqu'on part en vacances notamment, eh bien il faut savoir ce que l'on fait de lui et surtout savoir qu'on n'a pas le droit de l'abandonner à son triste sort, comme certains le font. Ça a parfois été un problème pour vous que de partir en vacances à cause du chien? Quelquefois, mais on a toujours trouvé des solutions pour qu'il ne soit pas malheureux. Et comme nous avons gardé notre maison, nous avons des amis qui veulent bien passer un mois et garder le chien en même temps. Donc je pense qu'une émission de ce genre a sa place, dans la mesure où elle montre les deux côtés, le côté pile et le côté face de ce rapport entre l'homme et l'animal, c'est-à-dire toutes les joies qu'on peut en avoir, et également tous les devoirs que cela comporte. Est-ce qu'il est propre? Est-ce que vous avez su l'éduquer? Oui, nous l'avons eu à 3 semaines. Alors, c'était une petite boule de laine noire dans la main, et il a été très facile à... Très, très facile. Jamais dans les ambassades ou dans les salons de TF1, il s'est mal conduit? Non, jamais, jamais. Il n'a pas mangé de chaussures, il n'a pas abîmé de canapé, il n'a rien fait. Il a été exemplaire. Vous êtes membre de l'Institut au titre de sociologue. Que pensez-vous justement de la place de plus en plus importante que l'animal de compagnie prend dans la vie de nos contemporains? D'abord, c'est un fait, vous avez raison de le dire, la place de plus en plus importante, ça les statistiques le montrent. C'est peu à peu que cet animal s'est répandu dans nos familles. Et c'est très récemment, c'est-à-dire au XXe siècle, que cet usage s'est, on peut le dire, démocratisé. À tel point que maintenant, on constate qu'il y a davantage de foyers ayant un chien ou un chat chez les ouvriers que dans n'importe quelle autre catégorie sociale. Alors qu'au siècle précédent et un peu avant encore, c'était exactement le contraire.
Qu'est-ce que cela signifie? Je crois qu'il a des raisons proprement psychologiques. Il y a le besoin, chez presque tous les hommes, de trouver une sorte de partenaire absolu. Le chien est ce partenaire qui est, par sa fidélité, par l'attention qu'il porte constamment à son maître, réalise cette espèce de rapport qui va au-delà de toutes les règles que la civilisation impose à nos rapports avec nos confrères. Et puis dans certains cas aussi, il peut y avoir chez l'homme le désir de trouver un moyen d'affirmer son autorité. Ce n'est pas pour rien qu'on parle du maître. Le maître du chien, c'est effectivement quelqu'un qui a par rapport à cet être, qui n'est pas forcément inférieur, un rapport qui est celui de la supériorité. Le chien est par excellence celui qui, sauf exception, est subjugué par l'homme. Alors je crois qu'il y a toutes sortes de phénomènes de compensation qui font que l'homme a besoin de ce rapport très différent de celui qu'il a avec ses semblables. Alors qu'est-ce qui vous incite, vous, à avoir un animal dans votre famille? Oh, écoutez, il y a d'abord des raisons qui sont celles du père de famille. C'est-à-dire que mes enfants ont réclamé un chien. En général, les enfants aspirent à posséder un animal. On commence par le poisson rouge, et puis on continue avec un chien, et quelquefois plus. Alors Bérénice a toujours vécu avec Négus? Bérénice est née à la maison, Négus était là depuis 2 ans, donc elle l'a toujours connu. En ce qui me concerne, alors peu à peu, j'ai vu que c'était un moyen pour moi de comprendre quelque chose de... qui ne m'apparaît pas très bien dans la nature humaine. Je crois que c'est quelque chose de très révélateur. Ça m'a renseigné sur moi-même. Mon chien m'a peut-être révélé d'abord le plaisir qu'on a à rendre quelqu'un heureux à côté de soi. Bien sûr, avec les êtres humains, on le fait, mais ça n'est pas aussi évident parce que le rapport n'est pas aussi pur qu'avec le chien, dont l'existence dépend totalement de nous. Le chien peut être malheureux ou malheureux absolument si nous souhaitons, si nous faisons en sorte qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas. Donc je pense que c'est peut-être ça que ça m'a révélé, cette espèce de plaisir que l'on a à donner le bonheur à un être. Et puis deuxièmement aussi, je crois, parce que ce chien est probablement indépendant, et il m'a fait prendre conscience de ce besoin d'indépendance. Vous savez, on dit toujours que le chien ressemble à son maître, mais on n'a jamais pu savoir si c'était le chien qui se forme avec son maître ou si c'était l'inverse. Je crois qu'on ne le saura jamais d'ailleurs. Il y a pour moi un petit peu des deux. Alors bon, dans les qualités, les défauts de mon chien, je vois quelquefois le reflet de ce que je suis moi-même, de ce que je ne savais pas très bien que j'étais. Comment définir le caractère de Négus? Ben, c'est un chien, bon, il est âgé déjà. Ouais. Et il est très indépendant. Il est affectueux, mais enfin il déborde pas d'affection. C'est comme un ami. Il est gourmand? Oui, très très gourmand, c'est tout ce qui l'intéresse. Enfin, ce qui l'intéresse le plus, c'est ce qu'il y a à manger. Quand on a à manger, il nous suit tout de suite. Il fait ce qu'il veut, mais dès qu'il y a à manger, là, on peut le faire un peu ce qu'on veut. Et il est indépendant? Très indépendant, oui. Il aime beaucoup se promener tout seul, mais enfin, il préfère quand même se promener avec nous. Quand on est là, il est tout content. Enfin, il n'est pas vraiment malheureux quand il est tout seul. Attendez, je comprends plus. De qui parlez-vous, là? De Négus ou de votre papa? De Négus. Parce que votre papa nous a dit hier que le caractère du chien était souvent un peu celui de son maître. Est-ce que vous diriez que votre papa est pareil? Ah non, pas du tout. Non? Non. Quelle différence? Je sais pas, papa n'est pas indépendant. Enfin, quand même, il y a une différence entre papa et mon chien. Il est affectueux. Oui, oui, papa aussi. Il préfère être avec vous qu'ailleurs. Oui, enfin, il est pas malheureux quand il est avec d'autres gens. Il lui faut 1 ou 2 jours d'adaptation et puis après ça va très bien. Là, vous parlez de Négus, là. Négus, oui. Est-ce que ces connotations sociales, en ce qui concerne le problème des animaux familiers, ne mériteraient pas que la législation européenne soit un peu harmonisée, car les législations sont très différentes d'un pays à l'autre. Vous êtes au Conseil de l'Europe comme ambassadeur. Alors qu'en est-il? Eh bien, c'est certainement un problème sur lequel le Conseil de l'Europe se penchera. Car son devoir, un de ses devoirs, c'est de réaliser des conventions entre tous les pays européens pour harmoniser les législations sur tel ou tel problème. L'an dernier a été signée une convention
appelée Convention sur la vie sauvage, qui concerne les migrations des animaux sauvages, qui a d'ailleurs une très grande utilité, dont on n'a peut-être pas assez parlé dans la presse, et il n'y a donc aucune raison pour qu'on n'en vienne pas très prochainement à se pencher sur ce problème, car tout ce qui concerne les mises en quarantaine, les précautions que l'on prend pour le franchissement des frontières, certainement vont conduire nos juristes à chercher un moyen de rendre les choses plus faciles et surtout plus uniformes à l'intérieur de l'Europe. C'est avec des choses comme ça que l'on constitue l'Europe et l'esprit européen. Faciliter en quelque sorte la vie des Européens avec leurs animaux de compagnie. Exactement, il faut les prendre tels qu'ils sont, les Européens. De plus en plus, l'Européen est un homme qui a un animal de compagnie.